Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 17ème épisode de mon let's play sur le jeu de Towns. Allez, on est reparti. On est reparti. Donc la dernière fois on avait perdu plein de villageois d'un coup. Je crois qu'il y en a eu 5 dans l'épisode qui ont crevé. Donc 4 ici là à cause d'un siège à la con. Sinon ça avance, on avait fini le toit ici. Avec. J'avais pas vu mais il y a un mouton en haut. Le pauvre. Et là on finissait ce toit là. Faut que ça aille plus vite au niveau de la boulangerie. Et j'espérais que la pinesse moyen remonterait un peu, mais j'ai pas rejoué entre temps. Chose que je fais d'habitude pourtant, mais là j'avais pas eu envie de rejouer. C'est pas grave. Hein. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un peu de sugarcane. On va pas le mettre. Ah non, c'est humus. Tiens, on peut retourner du sable. D'accord, ouais, d'accord. Pire, je m'en fous. Ah, bah voilà, c'est terminé. Bon, ça va vite, en fait. Même à deux. Yop. Allez, finissez-moi ça. Ah, c'est pas grand-chose. Ouais, coq de merde. À hurler à chaque fois. Chaque jour, et ça fait presque un an maintenant. Ça fait presque un an que je joue. Allez, reste un bloc. Voilà, ça y est, on va pouvoir détruire les affodages. De ces niveaux d'en dessous. Donc là, normalement, il travaille encore plus vite. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? C'est possible. Sauf que là, j'arrive pas à le voir. Ouais, je sais pas trop s'il travaille plus vite quand même. C'est assez bizarre. Bon bah allons-y, on va faire maintenant la dining room. Je vais peut-être mettre les portes d'abord. Histoire qu'on sache... Non, c'est pas là. Là non plus, c'est là-dedans. Histoire qu'on sache un peu où aller. Hop. C'est pas là que je cherche, c'est ça. Ils mangent comme des fous quoi. Et les blocs de partout, faudrait que je vire tout ça quand même. Alors il suffit de poser les prepared food barrels ici, simplement. De toute façon il y a toujours quelqu'un ici, donc du coup c'est pas une mauvaise idée de les poser là. Ça empêcherait les evil badgers d'en bouffer plein. Voilà, on va mettre tout ça de prepared food barrel. Et là on désactivera l'accès à cela, comme ça ils vont être obligés de les déplacer. On va virer la goblinite. Histoire que je puisse mettre les murs. Yep. Voilà, donc là ils ont du boulot. En bas, ça donne quoi? Ça explore toujours un peu. On arrive au bout d'ailleurs. Il y en a qui s'énerve. Ok, bah, ça avance bien. Ah, une caravane. Marchand militaire. Ah ah. Je crois que c'est la première fois que je l'ai celui-là. Marchand militaire, je crois qu'il vend des trucs de malade. Tiens, pose-toi. Iron boots. Donc des trucs en wooden. Une masse. Truc en fer. Masque de la bête. Oh non, ils ont pas des super trucs en fait. Hein. Par
Par contre, moi, je peux lui vendre des trucs de fou, genre le Fireball, je peux vendre des trucs de malade, mais lui, il me vendra que de la merde. Non, on va peut-être pas lui vendre ça. On va virer ça, quand même. Des trucs un peu tout pourris. On va peut-être lui virer le Bunny Hat. Ça sert un peu à rien. Set en bois, masque Maya, il n'y a personne qui l'équipe. J'en ai des items quand même. Il a 3409, ouais bon, j'ai de quoi balancer quand même. J'ai largement de quoi virer, je vends des items en bois. Ça va très bien. Hop. Ah merde, il y en a un peu trop là. Faut que je redescende de 100. Un petit peu plus. Oh, attendez. Voilà. Là on est bien. Alors, vous en êtes à où? Ça avance doucement. Alors vraiment doucement. Manage food barrel. Hop. Donc là normalement j'ai tout disable. Voilà. J'ai fait le tour. La vache, y'en a de la bouffe. Y'en a même beaucoup. Ouais. Bon, où est là? Ouais, ça finit. Je pense qu'on va pouvoir accéder au prochain étage. Alors, il est où l'accès déjà? Il est là. On va creuser un peu. On va accéder à l'étage suivant. Ça, il reste pas grand chose. Hein. Il reste cette petite partie, celle-là. Petit bout ici. Ouais, il reste des petits bouts, quoi. Alors, est-ce que j'aurai assez de monde dans Minage et Bustronnage pour descendre jusqu'ici? Pas sûr. C'est pas sûr. Ah bah si, quand même. Allez, virez-moi un peu tout ça. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. On a de la place. Ah bah, j'aurais dû faire là, quoique. Non, c'est bon. On va creuser un escalier ici. Voilà, tu as fait l'escalier. On va miner ce bloc là. Je suis curieux de voir ce qu'il y a dans l'étage suivant quand même. Ok, ça y est, c'est trouvé. Mettre un escalier ici, hein. C'est le bordel là, par contre. Remonte ensuite, hein. Non, j'ai dit remonte. Pas une tortue démoniaque là. Voilà. Il a fait super peur, tortue démoniaque. C'est quoi ce bordel? Oh mon dieu! Contre quoi il se bat? Mais c'est quoi ça? T'arrêtes de bouger. Sneaker Blade? C'est quoi ces trucs? T'es tête en feu?
Mon dieu, contre quoi ils se battent? Clairement des tarés là. Oh, je suis à étage 10 hein, quand même. Hein. Est-ce que ça? Pas que ça. C'est quand même des trucs de fou, mais c'est pas grave. Alors là, ça avance quand même. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des pièges pour éviter les Evil Badgers? Il n'y a pas de piège. Non, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas l'air d'avoir de piège. Ça m'aurait bien aidé quand même. M'aurait bien aidé. Non. Non, y a pas. Y a pas de tout ça. Ah bah si, traps. Voilà. Est-ce qu'on peut pas les mettre autour? Ah non, parce qu'ils marchent dedans. Où est-ce qu'on peut les mettre? Ah là. En espérant que ça ne n'attaque pas les humains. Est-ce qu'ils sont assez cons pour tomber dans leur propre piège? Ça, c'est la question qui tue. Là, ça explore, mais je pense qu'ils ont commencé plus à explorer par ici. Ouais, non, pas tant que ça encore. Ils ont pas encore trop commencé à explorer. Ils sont bien défoncés quand même. Et ça monte vite en XP quand même. Hein. Ça monte vite en XP. Alors. Au niveau de la bouffe. 35, 10, 12, 8. Ah bah alors là. Je suis tranquille. Hein. J'ai vraiment toute la bouffe disponible. Du coup, en fait, je pense qu'il faudrait que j'arrête de donner des ordres. Je jouerai tout seul dans mon coin jusqu'à que ça soit fini. Comme ça, la pinaise va augmenter et on va récupérer des villageois. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Parce que sinon, le bonheur, il augmente pas. Et c'est plutôt embêtant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il me reste peut-être des trucs à faire. Vous avez mis les traps. Est-ce que t'es passé dessus? C'est la question qui tue. Je vois, de toute façon, s'il y a des héros, ils sont forcés de repasser. Ouais, ils passent dessus tranquille. On va en mettre un dernier alors. Avec quand même des pièges à ours. On va mettre des pièges à ours, hein. Comme ça ils éviteront de foutre le bordel chez moi. En remontant. Ça va me prendre un peu d'iron, mais au pire je m'en fiche. J'en ai quand même pas mal. S'il faut, je peux aller en miner tranquillement. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'hésite à mettre des trappes ici. Ça a l'air un peu débile comme ça, mais bon, ça pourrait protéger des blaireaux démoniaques quand même. Evil Turtle. Là où il y a quoi? Il y a du cuivre. Quand est-ce que je trouve de l'argent, quoi?
Jamais. L'argent et l'or. Et de l'iron, mais bon. Parce qu'en fait, il y a une énorme veine ici. C'est tout, quoi. C'est un peu tout. En tout cas, j'ai du gel bleu, maintenant. Alors, est-ce qu'on trouve pas des nouveaux... Des nouveaux trucs? Non. Bon, bah ça avance doucement, mais ça avance. Là, les blocs, c'est fini. Est-ce que la pinaise remonte? Non, pour l'instant, non. Je pense qu'il en reste encore des trucs à faire. Ah si, là, c'est fait, les pièges à ours. Tranquille. Il y en a qui sont chiés un peu. Ah, je pense que là, ça va commencer à remonter. Voilà, ça y est, ça remonte, ils ont plus rien à faire. Bon, on va observer ce qu'ils font en dessous. Là, il reste presque plus rien. Hop, là, ça donne quoi? Les explore encore ici quand même. Il reste des trucs à explorer. Donc pour ça qu'il reste un peu par ici. Ouais d'accord. Il est venu là juste pour explorer le petit machin qui dépassait. Ah mais il y a quand même du mob. Suffisamment pour qu'un nain un peu bourré s'amuse un peu. Ah, une caravane. D'accord, c'est la caravane naine. Qu'est-ce que tu vends? Des trucs en fer et en pierre. C'est pas stéréotypé ça. Une enclume. La pierre, des objets en pierre. Divine Iron Wetsplate. Ah ouais, 8000 et des patates quoi. Waouh. Bah tiens, moi je sais ce que je vais te vendre. Ça va me faire un peu de place. Mon bon milliard de green gel là. Machin qui me casse les pieds parce que ça sert à rien, ça prend de la place dans l'inventaire pour rien. Voilà, 800. Tac, tu vas repartir avec tout ça. Déjà pas mal. Déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Bon, là, ça ne manque pas, là, il y a un problème. Vous avez vraiment trop de boulot, quoi. Pourtant, j'ai pas l'impression de vous avoir demandé trop de boulot. Sauf qu'il y en a qui foutent rien, là. Hein. On va regarder. Ah ouais, non, ceux qui foutent rien, 91 et 56. Bon, ça va au niveau de la pinaise. Par contre, ceux qui bossent, pourquoi construction? Vous êtes à 8 et 0, quoi. Alors, attendez, vous faites quoi? Vous faites item construction de mur et building. Ça doit aller, il n'y a rien, là. Pourquoi vous n'êtes pas content? Cuisinier. Encore les cuisiniers, ils bossent 24 heures sur 24. M'étonne pas. Ramener aussi, il bosse 24h24. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que la pinaise moyen, il est pas énorme. On a juste un 91, on sait pas pourquoi. Il y en a un qui est hyper content d'être ici, tout le reste, c'est... il s'en fout royalement. Ah bah voilà, ça explore. Cuivre. Ah, de l'or. De l'or, de l'or. Ça c'est bien. Bon, les nouveaux matériaux qui apparaissent.
ça fait 20 minutes. Bon, bah j'espère que j'ai trouvé de l'argent. Bon, ça y est, ça fait 20 minutes. Je vais jouer un petit peu tout seul dans mon coin. En attendant, histoire de monter un petit peu la pinaise, puisque là, je pense qu'ils ont juste trop de boulot. Et qu'il faudrait les soulager un peu. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine, salut à tous !